beignets dorés parsemés de sucre glace que vous apercevez dans la plupart des boulangeries lyonnaises lorsque vous vous y rendez. Leur origine remonte à la Rome antique, c'est ce qu'on dit. Mais après, hein, il faut aller chercher ça au niveau des informations à préciser. Traditionnellement, nous mangions les bugnes à cette grande occasion du Mardi Gras. Nous utilisions alors toutes les huiles de cuisson que nous allions ensuite abandonner pendant le carême, la période du jeûne. C'est la dernière occasion de tous les excès avant les 40 jours de l'austère carême qui précède la fête de Pâques. On fait la fête, on mangera, bah oui, c'est Mardi Gras, car on ne le fera plus pendant ces 40 jours. Mais dans la culture païenne, dont est inspirée l'Église au commencement, c'était aussi une manière de célébrer la fin de l'hiver, le printemps qui revient. Le printemps qui revient, c'est la renaissance que l'on célèbre. C'est honorer l'exubérance, l'imaginaire, la fantaisie. L'hiver et ses difficultés sont alors oubliés dans ce grand événement. Les bugnes, c'est de la pâte faite de farine, d'œufs, d'eau, de beurre, parfois aromatisée à la fleur d'oranger et autrefois à la rose. Tu ne savais pas ça ? Si. Ouais. Et le tout est frit. Alors, frit, j'ai lu dans le vieux dictionnaire de la culinaire français, frit dans l'huile, mais aussi dans le sindou et dans le beurre. Voilà. Ah, le beurre. Donc, ces bugnes, hein, elles font partie de nos traditions culinaires depuis fort longtemps. Dans Patton Gruel, édité en 1532, Rabelais mentionnait les bugnes aux côtés d'autres spécialités lyonnaises telles que, j'ai pas pu m'en empêcher, hein, j'en ai noté quelques-unes, c'est une petite parenthèse voilà, gourmande, donc saucisson, cervelas, jambon, andouille, hure de sanglier, gigot à l'aillade, fraissure, fricando, gras chapeau au blanc, mangier, hochepeau, carbonade, cabirotade, astereau, gibier à poil et à plume, esclanche, qui est un gigot farci, carpe farci, levrette, recuite, qui sont des fromages aromatisés avec des feuilles de pêcher, craquelin, macaron, qui sont des pâtisseries sèches, pâte de fruits et bugnes. Voilà. Donc, on sait aussi que ces bugnes sont vendues au cours du XVIe siècle par les Dames de Saint-Pierre, donc des religieuses installées au couvent de Saint-Pierre, qui est actuellement un beau musée des beaux-arts. Voilà, donc ces dernières étaient, disait-on, délicates et parfumées à la rose. Donc, hein, on parle des bunes, hein, bien entendu, pas des religieuses. On va croire que... On aurait fait des trucs, hein, nous, avec les religieuses. Donc, bon. Après, je ne sais pas. Dis ça, je dis rien. Donc, on parle des bugnes, mais on parle aussi des oreillettes. Et oui, parce que les oreillettes, alors, elles sont réalisées à partir d'une pâte très fine, plate et croustillante. Alors que les bugnes, hein, elles sont réalisées à partir d'une pâte plus épaisse et donc plus moelleuse. Mais c'est presque la même pâte, sauf que tu tires dessus, tu les tires. Oui, c'est ça. On en faisait chez Chapelle. Ouais. Ah oui, t'en faisais. Alors, il y a eu toute une dispute autour de ça. Quelle était la plus traditionnelle? C'était un petit peu l'histoire entre la poule et l'œuf. Voilà, donc la première, est-ce que c'était les oreillettes ou les bugnes? Donc, il y a le président de la chambre patronale de la boulangerie du Rhône, Bruno Labru, qui avait déclaré « Je ne voudrais pas m'attirer les foudres des spécialistes, mais à l'origine, la bugne est un beignet. La bugne craquante n'est donc venue qu'après, au fil du temps. Voilà, donc qu'il en soit ainsi. » Et c'est seulement à la fin du 19e siècle que les bugnes se sont épaissies de beurre et d'œufs. Alors, merci aux mamans lyonnaises. Oui. Oui, bah oui, si, forcément. Les mères lyonnaises, ouais. On pourra montrer, j'ai un super livre sur la cuisine des mères lyonnaises. On pourra essayer de penser à montrer ça vendredi. Ah bah oui, tiens, bah voilà. Ouais. Donc, bah, qui avait le goût des bonnes choses, hein, parce qu'elle cuisinait avec le beurre. Avec le cœur. Mais alors là, je peux te dire,
peut-être largement autant avec le beurre, hein, si ce n'est plus. Le cœur devait être bien enrobé de beurre, d'ailleurs. Donc voilà. Et alors, j'ai lu dans le vieux dictionnaire français que la farine, que la fleur, vous appelez ça la fleur de farine, ouais, était délayée avec un peu de vin blanc. Je ne sais pas. Et puis que pour que la bulle soit, le beignet soit plus léger et parfois craquant, c'est oui, en fonction de ce qu'on recherchait, un type de beignet, on y rajoutait une bonne eau de vie. Ouais. Oula. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, que ça se fait un peu. On met des fois un petit peu de rhum, ouais, dedans. Voilà. Bon, moi, je suis pas fan de l'alcool dans les pâtisseries. De toute façon, quand ça frit, alors ça, c'est un truc que Arthur aurait pu nous expliquer si on l'avait sous la main tout le temps. De toute façon, quand ça frit, l'alcool, voilà, c'est quand même à des températures un petit peu hautes, donc l'alcool, elle va laisser juste un petit peu d'arôme, mais quelque chose de léger. Mais elle partira, oui, ensuite. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, ben voilà, ben bonsoir à vous. Et donc, on va continuer ce soir sur le sujet des pâtes. Des pâtes, et puis on va vous préparer des bugnes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Fondant au chocolat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, crêpes. Là, voilà, des crêpes. Et puis, galettes au sarrasin. Oui, parce qu'on se dit toujours, oh, les crêpes, c'est facile à faire. Oh merde, la pâte, elle est pleine de grumeaux. Pourquoi? Ouais. Ah bah, je vais vous expliquer. Et puis parfois des crêpes molles, trop cuites, pas ouais, assez cuites. Non, c'est un vrai, vrai tour de main. Je vais vous expliquer comment faire une pâte à crêpes sans grumeaux très facilement. C'est technique uniquement. C'est pas voilà. Alors bah, on a Lionel, John, on a Val, on a Jean. Coucou Val. On a Pascal, on a Fabienne. Et puis, tous ceux qui se manifestent pas. Alors, je sais pas qui. Bon. Là, de toute façon, vous savez que ce soir, c'est quelque chose qui est réservé à nos contributeurs. Hein. Donc, ce n'est pas en public. Bon, allez, moi, je vais prendre la place auprès des commandes. Des commentaires. Coucou, voilà. Bonsoir à tous. Alors, je voulais juste vous dire un petit mot. Je ne sais pas si vous avez vu sur Patreon, j'ai lancé un petit truc qui s'appelle Lance. C'est des petites vidéos, des petites choses rapides qu'on peut mettre un peu comme sur Facebook, Donc, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire ça. Donc, j'ai essayé là ce matin. J'ai mis quelques petites vidéos là sur les petits cochons, sur mes cochons qui partent à l'abattoir aussi, et puis. Bon, voilà, j'ai trouvé que c'était sympa pour avoir un truc hyper interactif tous les jours. Bon, voilà. Alors, je voulais que un petit peu m'expliquer sur les cours de cuisine, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui attendent de la cuisine très technique. Bon, la cuisine très technique, moi, je veux bien vous en faire. Seulement, je pense que vous allez vite en avoir marre, parce que bah, vous allez être largué très, très rapidement, je pense. Et parce que la cuisine très technique, bah, franchement, c'est même un peu chiant, même pour nous. Hein. Moi, j'en fais, mais bon, voilà, au bout d'un moment, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Essayons plutôt, je préfère vous apporter mon côté hyper instinctif, hein, instinctif dans la cuisine, qui est quand même la marque de fabrique de ma cuisine. Je pense que c'est vachement plus important que je vous amène ça, que je vous donne ça, que plutôt de vous expliquer des trucs... ultra technique avec des règles, avec des recettes, avec des fours voilà, qui devront être ultra précis, avec du matériel que vous n'aurez pas. Au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Parce que bon, moi, je fais des super glaces, hein, je vais vous dire, mais j'ai un Paco Jet. Le Paco Jet, ça vaut 8000 euros. Quoi, donc, je ne pense pas que les particuliers peuvent avoir ça à la maison. Après, si vous voulez, une fois que je vous explique le fonctionnement de cet appareil, et que je vous montre un petit peu comment ça va. Alors, oui, on peut faire des glaces à la main, mais enfin bon, là, quand on a ça, je peux vous assurer que le rendu, c'est quand même autre chose, quoi. Ouais. Bonsoir Camille. Fabienne qui nous dit, et Camille est avec nous. Ah, Camille, ah, coucou Camille. Ah, la Camille, c'est mon apprenti en cuisine. Et puis, bon, bah, là, il est plus là, le pauvre. Parce que, alors, je vous rappelle quand même que bientôt, dans une dizaine de jours, on sera à 6 mois de fermeture. 6 mois, hein. Ça fait 6 mois qu'on n'a rien fait. Enfin, que
On n'a ni clients, ni... Donc voilà, je voulais aussi vous dire qu'on a... Alors non, il faut que je fasse les choses dans l'ordre. Cette nuit à 4 heures, je vais aller jusqu'à l'abattoir d'Autun, emmener deux truies qui ont à peu près 2 ans et demi. Bon, ça ne me réjouit absolument pas. Ça ne me réjouit plus, tout ça. La mort de mes animaux ne me réjouit plus. Voilà, ça devient de plus en plus difficile pour moi. Ben, je le fais encore parce que c'est ce que je dois faire. Mais ça devient très, très difficile. Donc, pour moi, c'est ni une fête, ni la Saint-Cochon, ni tout ce que vous voulez. C'est deux animaux qui vont être tués, qui ont vraiment été sympas, qui sont montés dans la remorque avec beaucoup de gentillesse. Bon, de toute façon, ici, il n'y a aucune violence hein, quand on les monte. Donc voilà, bah, je voulais juste vous dire ça. Quoi, on en mangera. Hein, moi, je vais faire des choses avec. Hein, ça sera quand même la fête. Mais bon, il va me falloir un petit temps de digestion. Voilà. Donc bah, je vais les emmener cette nuit et puis je reviendrai après. Et puis je vais les récupérer plus tard et on va faire de la transformation dans un laboratoire et des petits bocaux de terrine et de petites choses intéressantes. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Et je pense à toi, Valérie. Donc, si ça vous intéresse, bah, par la suite, je sais pas, je vais essayer de voir si on peut faire une boutique. Enfin bon, voilà, on verra. Donc, il y aura ces petits bocaux. Là, ça va être super bien. Et puis, bah, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, je crois que c'est tout. Je pense que je vais rester sur de la cuisine hyper accessible, des choses, vous donner des petits trucs. Puis après, bah, quand on sera un petit peu mieux, un petit peu plus calé, on pourra aller sur de la cuisine beaucoup plus compliquée. Mais voilà, je pense que je vous ai déjà montré plein de choses. À chaque fois, je vous montre une multitude de choses. Au lieu de rester sur un seul plat, on part sur beaucoup de choses parce que je pense que la cuisine, c'est ça. Hein. C'est un endroit où on s'exprime, où on se fait du bien. Alors oui, donc je leur dis encore une fois, on fera les pâtés croûtes, hein, ne vous inquiétez pas, on va les faire, ces pâtés croûtes. On va avoir la matière première pour pouvoir les faire, c'était ce que j'attendais aussi, les cochons. Donc, les cochons vont arriver et on pourra se lancer là-dedans. Je vous dirai bien en avance ce qu'il faut comme matériel et puis tout ça. Et puis, on se prévoira ça. Ah si, alors, vendredi, on va faire un live avec un producteur de truffes, Yann Bézeux. Et puis, on aura une discussion avec Mathilde Bertinelli, qui travaillait chez Boiron, qui nous parlera de l'homéopathie et aussi des chevaux, parce qu'elle élève des chevaux. Ça va être super intéressant. Et dans 2 semaines, le vendredi 16, on va faire un super live avec mon ami des Farines, le boulanger philosophe Roland Feuillat. Ah oui, magnifique. Voilà. Oui. Et j'ai invité en même temps, le même jour, mon ami Jean Deneau, grand boucher de Sens. Alors là, vous allez voir du très, très lourd, des gens vraiment extraordinaires. Alors, je vous mettrai le lien un petit peu en avance et vous pourrez inviter du monde parce que là, ça va valoir le coup. On va s'éclater avec ces deux loustiques. Voilà. Oui. Donc il y a Val. Ouais. Non, il y a Val qui dit merci à elle pour ce qu'elles vont nous apporter. Notre cœur va vers elle. Voilà. Ouais. Et elles sont vraiment belles. Là, c'est deux petites truies. Elles ont eu une super vie. Pendant 2 ans et demi, elles sont vraiment très très grosses. Hein. Ça fait 180 kilos. Et voilà, bah, elles attendent tout sagement là dans la remorque que je me décide cette nuit. Mais voilà, là, j'ai plus envie d'en parler. Bon, allez. On va passer à autre chose. Alors, on va démarrer. Je vais vous faire des petites bunes. Je pensais que c'était intéressant de vous apporter une super recette de bunes, un petit peu sympa. Parce que bah, la bune, ouais, parce que la bune, là, vous savez, alors, à vos crayons, bon, je vous les réécrirai. Mais je vais le faire aussi dans les commentaires, voilà. Hein, si vous les notez en même temps. Parce que la bune, bah, vous savez, hein, c'est vraiment un truc ultra traditionnel. Bon, là, vous ne me voyez plus, hein, mais je pense que vous m'entendez. C'est pour que vous voyez juste mes mains travailler. Ah oui. Tu sais que je peux le gérer, amour. Ouais, ça, hein. si. Il faut que je leur redise un truc. Vous avez eu là, la recette du risotto dimanche. Alors, Jean Soubiel m'a fait un petit retour en me disant, écoute, Fred, la recette est super, mais le son est ultra mauvais. Alors, je ne comprends pas.
parce que nous, on l'a regardé avec Carole directement sur YouTube. Des copains aussi. Et les copains aussi l'ont regardé et ils m'ont dit que le son était bon, tous. Alors, si vous pouvez me faire des retours sur cette recette de risotto. Ouais, c'est un truc que j'avais fait seul. Donc oui, on ne me voit pas. Hein, je me suis coupé là. Mais bah, j'ai fait un petit peu exprès pour que vous puissiez voir uniquement les gestes que je faisais là sur ce risotto. Moi, je la trouve vachement bien, là, cette recette. Et ouais, c'est bon. Voilà, donc si vous avez des retours à me faire là-dessus, n'hésitez pas. Allez, go, on va faire nos bulles. Allez, alors, c'est parti. Donc, alors, la recette. Alors, la recette, donc c'est 500 g de bugne, 500 g de farine, 100 g de beurre, 100 g de sucre, une pincée de sel, 4 œufs, 20 g de levure, 2 cuillères, c'est cuillère à café ou cuillère à soupe? Non, cuillère à café. Ouais. Hein. 2 cuillères à café d'eau. Bon, ça, c'est pour le rappel, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Hein. Et du sucre glace, hein, mais que vous pouvez faire vous-même. Hein, pas ah, bah, ça, là, tu le prendras après. Ah oui, oui, oui. Oui. Voilà. Donc, alors, 500 g de farine, 100 g de beurre, 100 g de sucre, une pincée de sel, 4 œufs, 20 g de levure, 2 cuillères à café d'eau et du sucre glace. Voilà. Donc là, la première chose que j'ai fait, j'ai mis ma levure dans mon petit bol. Alors, moi, j'utilise ça. C'est de la levure de boulanger. Attendez, parce que... Ouais, tourne dans l'autre sens. C'est pas facile, voilà, parce que vu que sur l'écran, je me vois à l'envers. Qu'on trouve en voilà, boutique bio. Hein. Ouais, c'est dans les boutiques bio. C'est la levure safe. C'est une levure déshydratée, puis que vous réhydratez. Alors, là, donc j'ai mis mes 20 grammes. Je vais rajouter mes cuillères d'eau. Donc, vous prenez de l'eau tiède, hein. Et puis ensuite, hop, vous mélangez et puis vous faites fondre votre levure. Alors faites attention à ne pas mettre de l'eau trop chaude parce que sinon, bah, votre levure, bah, vous allez la tuer. Donc de l'eau à 35 degrés maxi. Hein. Ça, c'est la température idéale. Là, vous mélangez bien. Mélangez bien, bien, parce que sinon, ça fait des petits grains qui restent dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a là, ça doit être dedans. Voilà, donc on mélange bien. Alors ça, là, l'idéal, vous faites un petit peu avant et puis vous laissez votre levure sur le coin de votre plan de travail pour lui redonner vie. Voilà, bon là, on va le faire direct hein, parce que on n'a pas toute la journée non plus. Hein. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va rajouter la farine dedans. Alors, vous prenez une farine de blé, mais vous pouvez vous amuser à mettre une bonne farine de blé ancien. Là, il n'y a pas de souci, hein, ça marche. J'en ai même fait une fois avec de l'engrain. Vous savez, l'engrain, c'est du petit épeautre. C'est une variété européenne très, très ancienne. Et ça fonctionne aussi. Voilà, donc là, on va mettre 500 grammes. Alors, la pâte à bulles, ça se conserve très, très bien. Si vous m'entendez mal, vous me le dites. Hein. Donc là, j'ai pris de la farine de blé de chez mon ami Roland, que nous allons recevoir dans 2 semaines. Alors ensuite, on va mettre un petit peu de sel. Oui, c'est ça. Donc une pincée de sel, hein, bon, une jolie pincée. Voilà. Ensuite, on va rajouter un petit peu de sucre. Voilà, je regarde la recette en ce moment en même temps, parce que bon, je ne mets pas toutes les recettes dans la tête. Hein, donc, hein. Alors, on va rajouter 100 g de sucre. Voilà. Tac. Ils sont bien sages ce soir. Ouais, ouais, là, vous êtes sages, mais ça, ouais, c'est parce que vous regardez. Très sage. Et puis vous écoutez, bah, ça change un peu. Hein. Alors, ensuite, on va rajouter 100 g de beurre. Et vous vous rappelez, hein, on va faire le même principe que la semaine dernière.
Alors tiens, là, rappelez-moi un petit peu ce qu'on a fait quand on... lorsqu'on rajoute du beurre à la farine. Bon, c'est vrai qu'on a un petit décalage. Oui, il y a un décalage. Donc, ils ne peuvent pas répondre tout de suite. Donc, vous mettez des petits bouts de beurre. Hein. Vous allez mettre 100 grammes. Voilà. Alors, normalement, à la réchaute, début, on en fait beaucoup. Hein. Quand je suis ouvert au mois de février, on a tous les jours et on les fait minutes. C'est-à-dire qu'on les fait cuire lorsque les clients sont prêts à les manger. Donc, elles arrivent, elles sont un petit peu tièdes. Et là, c'est super. Donc voilà, donc on met notre beurre. Et ensuite, bah, vous rappelez la semaine dernière comment je vous ai montré. Hein. On va prendre la feuille. Donc la feuille, c'est cet ustensile hein, qui ressemble à une feuille. Voilà. Ouais. Donc on part du principe que vous avez tous des kitchenaides. Le truc équivalent, alors je ne sais pas si ça marche avec le fameux ustensile là, que tout le monde a, là, comment ça s'appelle déjà. C'est-à-dire ? Tu sais, là, le truc que ton frangin, il a, là, qu'ils ont tous. Là. Sur le kitchenette ? Non. Le truc, là, l'appareil, là, tu sais ? Mais je vois pas du tout. Mais si, là, qu'ils ont tous, là. Qu'est-ce qu'ils ont ? Lionel, dis-moi ce que t'as, tout de suite. Non, là, ils vont le dire, là, tu sais, c'est le truc à la main. C'est le truc à la... Ah, ouais, c'est mode, le... Là. C'est des soupes, tu fais absolument tout. Alors. Effectivement, ouais, c'est ce qui te... C'est le cuisine... Non. Oui, c'est le fameux robot qui te fait, bah, qui te remplace, quoi. Hein, ouais, qui fait c'est tout. Le nom de la marque, là. Putain, c'est comment déjà ? Ah, bah écoute, le Thermomix. Merci, Agnès. Voilà. Merci, oui. Agnès. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'on est pas doué. Bon, alors là, donc, vous mélangez à la feuille la farine avec le beurre sans liquide. C'est toujours le même principe. Hein. Le seul léger liquide qu'on a, c'est notre levure au fond, mais c'est très, très peu. Voilà. Donc là, bah, vous mélangez. Alors, vous vous rappelez, hein. Vous allez doucement parce que sinon, bah, vous allez en mettre de partout. Oui, Yo-Yo, c'est ça, Thermomix. Ouais, le Thermomix, Yo-Yo, il se réveille, Yo-Yo. Tu te réveilles, mon Yo-Yo ? Oui, c'est Pierre qui l'a dit. Donc là... Voilà, on va laisser mélanger. Vous savez, le beurre va s'incorporer à la farine, enfin va enrober les grains de farine. Et là, je vais préparer des œufs. Alors, toujours pareil, les œufs, on les casse dans un récipient, parce que si on a un mauvais, ben on est bon pour tout mettre à la poubelle. Alors, où sont mes œufs ? Où sont mes œufs ? Ah, ça, c'était mon petit hommage à Patrick. Où sont mes œufs ? Ils sont là. Bon. Alors, combien nous avons de 4. 4. Alors, je peux les casser deux par deux. Alors là, par contre, là, vous allez voir, je vais faire un truc. Une fois que mon beurre va être à peu près mélangé, là, je vais changer d'ustensile. C'est-à-dire que je vais prendre le crochet. Parce que ça ne va pas marcher. Avec la feuille, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas. La pâte, elle va être beaucoup trop épaisse. Voilà. Hop. Donc, là, on a notre beurre hein, qui est à peu près bien incorporé avec la farine. Hein. Voilà. Ça fait un genre de pâte sablée. Alors là, je mets mon crochet. Et là, je vais incorporer mes œufs deux par deux. À température ambiante pour le beurre, dit Lionel. Ouais, toujours. Toujours à température. Sortez toujours votre beurre un petit peu avant. John dit que lui, met le doigt. Bon, lui, met le doigt. Met le doigt où ? Il dit, moi, je mets le doigt. Mais où ? Où, John ? Donc, tu mets le doigt parce que j'ai bien eu une idée. Mais... Il y a un décalage, donc c'est bien de préciser.
Donc là, vous voyez, là, on a notre pâte qui est en train de se faire tranquille. Donc, je rajoute tous mes œufs. Et je vais juste me préparer un petit peu d'eau. Parce que c'est comme toujours, vous expliquez que l'hygrométrie changeait sur la farine. Il faut toujours se préparer un petit peu d'eau et puis voilà. Voir si on en a besoin ou pas. Voilà. Donc là, ça mélange tranquille. Bon, c'est une pâte qui demande à être bien bien mélangée. Hein. Voilà, là, j'ai un petit peu de pâte qui est restée au fond. J'ai un petit peu de farine. Qu'est-ce qu'il dit, John ? Non, c'est Fabienne qui dit tu le mets où le doigt ? Parce que c'est vrai qu'on aimerait bien savoir. Bah ouais, ouais. Dans Patrick Juvet ? Non, bah quand même pas. Non. Commence pas. Un jour, je vous raconterai ma rencontre avec Michou. J'ai eu la chance de faire à manger à Michou. Un homme charmant, d'une gentillesse incroyable. Voilà, alors c'est une pâte qui doit être bien bien mélangée. Hein. On va peut-être avoir un truc un petit peu élastique, mais c'est pas grave. Il faut bien bien la mélanger. Attends, je vais essayer de faire un... Donc vous la laissez bien tourner. Si vous avez des questions là pendant ce temps, bah, vous pouvez en profiter pour me demander ce que vous voulez. J'ai fait un très gros plan là. Ouais. Alors j'aurais pu vous faire de la pâte avant, mais ça, bah, je vous ai déjà expliqué. Moi, ça n'a pas de sens. Hein. C'est une espèce de cours de cuisine là où on dit bah, vous mettez ça, puis le gars il sort de son frigo là, la pâte qui est toute faite, qu'on ne sait même pas s'il l'a vraiment faite comme ça. Bon, voilà, vous laissez mélanger. À la fin, vous pouvez accélérer un peu. Voilà. Alors, on a une pâte qui va pratiquement être bonne. Alors, la consistance de cette pâte, on va dire que c'est la détrempe de la pâte feuilletée. Là, vous vous rappelez la détrempe de la pâte feuilletée hier? Hier, la semaine dernière, parce que si je vous dis que c'est la même que la pâte brisée, ça fonctionnera pas, parce que la pâte brisée, là vous vous souvenez, on a fait une pâte brisée qui était quand même assez molle, et effectivement là on va avoir plus une pâte un petit peu plus ferme, voilà, qui se rapprochera vachement plus de la pâte. Se rapprochera vachement plus de la détrempe du feuilletage. Il faut toujours c'est qu'il y en ait, hein, qui m'envoie des SMS là, quand ils savent que je suis. C'est maman qui dit qu'elle n'arrive pas à se connecter. Pourquoi ? Je ne sais pas. Bah, tu lui renvoies là, le lien. Voilà, donc là, on le lien. Là, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Je vais peut-être faire un petit focus là. Attends, je vais mettre ça là. Voilà, donc une pâte. Attends, je vais. Qui est un petit peu plus ferme. Ouais, qui ressemble un petit peu à de la brioche, en fait. Ah non, attends, baisse là. Voilà, baisse un peu, Fred. Oui, voilà, parfait. Ne bouge plus. Voilà. Là, voilà. Magnifique. Là, vous voyez bien. Coucou maman, ça y est. Elle colle un petit peu, mais non. Mais pas trop. Alors là, je vais remettre un petit peu de farine dessus. Et puis on va la laisser lever. Donc lever, ça veut dire que là, on utilise de la levure de boulanger. Donc on va la laisser lever. C'est-à-dire que la levure va aider à développer cette pâte. Hein. J'arrive pas à trouver mes mots là. Un petit coup de fatigue. Voilà. Donc là, la levure va faire son action pendant à peu près une demi-heure, puis après, là, on va être prêt. Alors, on peut la mettre un petit peu au chaud, hein, histoire que ça aille un petit peu plus vite. L'idéal, c'est que vous la faites la veille, puis vous la mettez dans votre frigo. Idem à de la pâte à brioche. Tiens, au fait, là, si ça vous intéresse de faire de la brioche,
J'avais un de mes super clients qui me disait toujours, il faut aller à la ferme de la Ruchotte pour manger de la brioche, c'est la meilleure brioche du monde. Voilà. Donc, je pourrais vous montrer à faire de la brioche, si vous voulez. Alors maintenant, tiens, on va se faire des crêpes. Allez, très bien. Alors, on va passer à la... Voilà, alors à la recette des crêpes et ses ingrédients. Alors, crêpes traditionnelles, classiques, hein ? Pas celle du sarrasin, pas tout de suite. Ah, sarrasin, donc galette. Alors, la galette de sarrasin. Donc, il vous faudra 300 g de farine de sarrasin, de l'eau, 10 g de sel et 100 g de beurre. Donc, je répète, 300 g de farine de sarrasin, de l'eau, 10 g de sel et 100 g de beurre. Voilà. Alors, c'est la façon de faire des crêpes la plus simple qui existe. Alors, il y a Pascal et Lionel qui disent que ça les intéresse pour la brioche. Okay. Et œuf à la neige. Voilà. Oui, parce que Pascal me l'avait déjà demandé, les œufs à la neige. Et alors, en eau, plutôt tiède, plutôt... Non, de l'eau à température qui sort du frigo. D'accord. Alors... Donc là, hop, on met un petit peu de sel, une dizaine de grammes de sel. Hein. Bah, vous vous rappelez là, les quantités de sel, hein, là, je vous avais expliqué ça la semaine dernière, 20 grammes à peu près au kilo. Alors, là, j'en mets un petit peu plus parce que vous savez que les Bretons utilisent du beurre salé. Nous, on n'en a pas parce qu'on n'est pas Breton, mais bon, voilà. Donc là, bah, une fois que vous avez mis votre farine avec votre sel, c'est super simple. Vous prenez un petit fouet et puis vous allez mélanger ça avec de l'eau. Alors, prenez de l'eau. Bon, alors là, dans la recette, j'ai mis de l'eau, 100 mètres de quantité. Alors, vous mettez un petit peu d'eau et vous mélangez, comme ça. Alors, ce qui est génial avec cette crêpe-là, c'est qu'il n'y a ni œuf dedans, ni lait. Alors, moi qui suis allergique au gluten. Et ni gluten, oui. Voilà. Il n'y a pas de gluten et du lactose, il n'y en a pas. Il suffit de mettre du ghee dedans à la place du beurre. Voilà. On n'a pas de lactose. Et je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu l'émission du ghee, hein, le ghee, c'est zéro lactose. Alors après, vous pouvez mettre aussi de l'huile d'olive hein, dedans, hein, ça marche très très bien. Hein. Alors, juste le truc avec cette pâte, c'est qu'il faut la faire un petit peu avant et puis la faire reposer. Donc, je ne sais pas si vous voyez, hein, j'ai déjà mis 1 ml d'eau là dedans et c'est encore très très épais. Donc, vous mélangez bien, voilà. Ensuite, vous rajoutez un petit peu d'eau. Alors ça, franchement, là, vous faites ça le soir. Avec un petit œuf dedans et puis du fromage. Ah, oh, c'est super. Avec une bonne salade. Oui, fromage de chèvre, hein, même, ouais. Hein, râpé. On peut faire des petites chips aussi avec. Ouais, très très bon. On les met, on fait nos crêpes et puis on les met dans le four. Ensuite, elles sèchent à une température de 60 degrés. On leur laisse sécher. On leur donne une petite forme, soit avant, hein, ouais. Avant, oui. Donc là, bah, vous voyez, j'ai pratiquement mis 1 litre d'eau. Voilà, j'ai mis 1 litre d'eau. Et là, cette fois, vous la laissez reposer. Idéalement, vous la faites le matin pour le soir. Hein. Même la veille. Et puis, bah, vous gardez ça là, dans votre frigo. Ça ne bouge pas. Voilà. Alors, ensuite, bah, je fais fondre juste un petit peu de beurre. Donc bah là, je vais prendre du ghee. Ouais, comme ça, je pourrais en manger aussi. Donc environ 100 grammes. Vous faites fondre et puis vous incorporez ça. Alors ensuite, je vous montrerai à faire la pâte à crêpes. La traditionnelle. Alors, la traditionnelle. Non. C'est une super recette, là, vous pouvez noter. Hein.
Je vais vous donner donc les ingrédients. Donc, il vous faut 300 g de farine, 1 litre de lait, 8 œufs, 100 g de sucre, 10 g de sel et 100 g de beurre. Je vais répéter, 300 g de farine, 1 litre de lait, 8 œufs, 100 g de sucre, 10 g de sel, 100 g de beurre. Je vais vous remettre la recette de la bugne, voilà, sur l'écran, pour ceux qui ne l'ont pas noté. Et je vais vous préparer celle des crêpes classiques. Alors, bah, les crêpes, on va les faire à la main là, aussi. Bon, normalement, moi, je les fais toujours dans mon petit kitchenette, mais là, bah, je vais vous les faire à la main, exceptionnellement. Alors. Bon, là, ce que je vous ai montré, là, c'est une recette de base. Hein. Alors, il y a une autre petite astuce, vous allez voir, pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Vous allez comprendre ça tout de suite. Alors, la première chose que vous faites, c'est vous mettez votre farine. Alors, moi, je vais en faire un petit peu moins que la recette, parce que, bon, bah, vous comprenez bien qu'après, nous, il faut qu'on mange tout ça. On va avoir des galettes à manger, on va avoir des 500 grammes de bugne. Les filles vont être contentes. Ah bah oui, là, il y a que les enfants là, qui vont être contents. Donc là, bah, je vais faire la moitié, donc je vais mettre 150 grammes, hein, à peu près, de farine. Voilà. Un petit poil, donc 150 grammes de farine. Là-dedans, voilà. Hop, impec. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est tout ce que je fais. Je vais prendre mon lait. Alors vous pouvez les faire avec du lait végétal, hein, ça marche très bien. Moi, je l'ai fait avec du lait végétal tout le temps parce que bah, du lait de vache, on n'en mange plus, nous. On n'en consomme plus. Alors plutôt le lait d'amande sans. Sugar free, voilà, ouais. Donc sans sucre. Là, hop, là, j'ai fait fondre mon ghee que je vais incorporer dans ma pâte de sarrasin. Là, vous mélangez bien et puis vous faites reposer un petit peu à température ambiante. Il n'y a pas besoin que ça aille dans le frigo là pour le moment. Hein. Si vous la faites une heure ou deux avant, voilà, là, vous la laissez comme ça. Voilà. Ça se mélange bien et voilà. Alors, la petite astuce, c'est que souvent, moi, je vois les gens faire les crêpes. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la farine, ils mettent les œufs, et voilà, et il y a des grumeaux. Ou alors, il faut mélanger ben, un temps fou. Alors que la petite astuce, c'est vous prenez votre farine et vous mettez votre lait directement avec rien d'autre. Voilà. Et vous mélangez un petit peu, comme ça. Hop, vous en rajoutez. Bon, là, ça va faire à peu près un demi-litre. Bon, c'est une histoire de sensation, tout ça. Hein. Ouais, ouais. Ouais, parce que quand je vous mets. Lorsque je vous mets là qu'il faut un litre de lait, bon, c'est à peu près. Hein. Mais après, vous pouvez mettre un litre de lait de vache et puis bah, vous complétez avec un petit peu d'eau. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, bah, des grumeaux, il n'y en a déjà plus. Il n'y en a pas du tout. Et on finit, on complète un peu. Là, je suis pratiquement un demi-litre. Alors ensuite, bah, vous pouvez rajouter votre sucre, votre sel, ce que vous voulez, suivant que vous avez envie de faire des crêpes salées ou sucrées. De toute façon, du sel, il faut en mettre, même quand il y a du sucre. Hein. Donc là, bah, je vais mettre un petit peu de sel. Hein. Voilà. Bon. Vu que j'ai divisé, je vais en mettre moins, mettre 5 grammes à peu près. Voilà. Et puis l'idéal, ben vous savez, là, quand vous les faites, c'est de les faire avec du beurre salé. Hein. Parce que ça, c'est quand même vachement rond. Et voilà. Alors maintenant, on va incorporer nos œufs. Bon, je vais rajouter un petit peu de sucre parce que je sais que nous, on va les faire avec du sucre là. Donc on a déjà la pâte à crêpes sarrasin.
la pâte à galette. Ouais, parce que si je dis crêpe, là, je vais me faire discuter s'il y a des bretons. Hop. Alors, vous allez voir, de mettre du sucre dans la pâte, ça aide à ce qu'elle brunisse bien quand vous les faites cuire, à ce qu'elle colore bien. De même que si vous les faites avec du lait de vache, avec le lait de vache, elle colore mieux. Avec le lait végétal, c'est un petit peu plus difficile. Là, vous mélangez, vous faites fondre votre sucre. Voilà. Et une fois que vous en êtes là, on va rajouter nos œufs. Où sont mes œufs? Ah, ils sont là. Ah, Patrick Juvet, mais j'ai découvert cette semaine, grâce à notre ami Bertrand Alary, qu'il avait repris une chanson d'Alice Cooper. Patrick Juvet? Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Laquelle? Et puis tout en français, ouais. Ah bon? J'ai peur du noir, ouais, ça s'appelle. C'est vrai? Ouais. C'est bon, je crois que j'aille voir ça. Alors. Donc, des œufs, on en met 4. Donc, on les ajoute toujours un par un. 8, amour. Non, parce que j'ai divisé ma recette en deux. Ah, très bien. Je n'ai pas suivi, tu vois. Alors là, vous voyez tout de suite la couleur que ça prend avec un seul œuf. Parce que nous, on a des œufs qui ont vraiment des jaunes, monstrueusement jaunes. Ouais, ouais. Très gros, très jaune. Voilà. Alors, vous essayez de ne pas faire comme moi, de ne pas mettre la coquille que je viens de rater, là. Alors, où est-elle? Où est-elle, cette coquille? Je vais l'enlever avec une cuillère. Nani, 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 nani. T'en fais un bruit. Voilà. Donc, avec mes bêtises, je ne sais même plus à combien d'œufs on est. Là, je crois 4. 4. Ouais. Donc là, on peut voir que notre pâte, il n'y a pas le moindre grumeau dedans, mais elle est un petit peu épaisse. Alors, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons la détendre. N'est-ce pas? Voilà. Et qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? À ajouter un petit bout de beurre dedans. Un petit peu de beurre fondu, mais vous pouvez mettre de l'huile. Hein. Avec de l'huile, ça marche bien. Hein. Un petit peu d'huile d'olive ou une bonne huile. Alors, le petit truc en plus, si vous voulez avoir des crêpes avec un super goût, c'est vous mettez du beurre légèrement noisette. J'ai pas dit brûlé, hein, j'ai dit légèrement noisette. Ouais. Donc, c'est quand ça sent la noisette. Super bon. Bah, écoute le gui. Hein. Ouais. Et là, vous allez avoir des crêpes qui vont avoir un petit goût de noisette. Alors, si vous faites des crêpes Suzette, oh, on va rajouter un petit peu de rhum dedans, 2-3 petits zestes d'orange dedans, et puis voilà. Oh, il va falloir que tu la fasses, ta recette de crêpes Suzette. Ah, c'est les crêpes Suzette, ouais. J'en ai tellement fait. Ici, qu'au bout d'un moment, j'ai même refusé d'en faire. Tout le monde me demandait ça, mais j'en avais un petit peu assez d'en faire. Donc, je me suis arrêté d'en faire. Voilà. Donc, je vais finir mes petites crêpes, ma pâte à crêpes. Super facile, super bonne. Et après, je vais vous montrer, j'avais envie de vous montrer, parce que j'ai quand même des gens hein, qui me demandent des choses un petit peu plus diététiques. Et moi, ça tombe bien parce que comme je ne mange ni lactose ni gluten, ben c'est facile pour moi. Je vais vous faire une petite recette de fondant au chocolat. Oh, il est magnifique. Vous allez voir, sans gluten oh, et sans lactose. Incroyable. Alors, je préciserai que vous pouvez le faire avec de la vraie farine et puis avec du beurre. Voilà. Mais ce serait bien, on peut essayer aussi. C'est une recette que j'ai mise au point là et qui marche bien avec de la farine et puis sans farine. Non, mais c'est bluffant. C'est bluffant. Bon, allez, hop, là j'ai fait fondre un petit peu de beurre que je rajoute dans ma pâte à crêpes. Voilà. Pâte à crêpes sucrée pour le petit déj de demain matin. Bon alors, attends. John qui dit rien à voir, mais tu as une astuce pour récupérer une coquille
quand tu prépares une omelette, c'est hyper dur. Ouais, bah ouais. Avec une cuillère, ouais, non, mais c'est une galère parce qu'une fois que c'est dans le blanc et comme chaque blanc a une densité différente, ouais, c'est une vraie galère. Alors après, je me souviens que ce qu'on faisait de temps en temps, quand vraiment on cassait genre 250 œufs et puis que tu as 2-3 coquilles dedans, un petit chinois, et puis bah, dans le chinois pour les récupérer. Mais normalement, avec une cuillère, tu dois y arriver, mais j'ai pas de truc là, je suis désolé. Il y a Fabienne qui dit « Le chien a renversé mon verre, il boit ma bière. » Ah bah voilà. C'est le chien qui va être bourré. Bon. Allez, on est parti sur notre petit fondant chocolat parce que j'aimerais bien qu'on finisse avec les légumes. Mais j'ai encore prévu beaucoup de trucs aujourd'hui. Et puis, bon, moi, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire. Mais... Donc alors, ouais, fondant au chocolat. Allez, c'est parti. Allez, je donne les ingrédients pour le fondant au chocolat. Donc, vous aurez besoin de 4 œufs, 75 g de sucre, 100 g de chocolat, 50 g d'huile de coco, 55 ou de beurre. Non, ou 100 g de beurre. Ou 100 g. Alors, 50 g d'huile de coco ou 100 g de beurre, 55 g d'amandes et 30 g de farine sans gluten. Voilà, alors. Farine sans gluten, farine de riz, la fécule de maïs, la fécule de pomme de terre, la farine de sarrasin. Voilà. Moi, ce soir, je vais faire de la farine de sarrasin avec de la farine de riz. Voilà. Avec de la farine de riz blanche. Là, ça marche bien, j'aime bien. La semaine dernière, j'avais fait avec de la farine de sarrasin. Ça donne un petit goût. On peut même imaginer de mettre de la farine de châtaigne pour avoir un petit goût de châtaigne. Bon, après, moi, ça, j'évite parce que nous, on a du mal à la digérer. La farine de châtaigne, c'est indigérable comme truc. C'est très compliqué. Mais oui. Bon, voilà. Alors. Donc, alors là, la première chose que nous allons faire, je l'ai fait un petit peu en avance parce que sinon, ça allait être très, très long. J'ai mis dans un cul de poule, j'ai mis mon chocolat, mes 100 grammes de chocolat, avec mes 50 g d'huile de coco ou les 100 g de beurre. Ça, c'est au choix. Voilà. Donc, vous mettez ça dans un bain-marie, dans une casserole avec de l'eau, pas trop chaud. Ça ne sert à rien du tout. Vous faites ça une demi-heure avant de faire votre recette. Voilà. Là, c'est fondu, nickel. Donc, là maintenant, ce que je vais faire, je vais préparer mes œufs. Alors, vous allez voir. Donc, des œufs, bah, il en faut 4, oui, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. 4 œufs. Et alors, vous avez remarqué que dans la recette, il n'y a ni levure, ni agent de levée. Hein. 3. Ah, et pourquoi ? Et comment est-ce qu'il va faire pour faire un gâteau qui va être levé ? Ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, j'ai mes œufs là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter mon sucre. Alors, j'ai besoin de 75 g de sucre. Évitez de baisser la dose de sucre. Utilisez plutôt du chocolat à 80-90, hein, qui va vous donner vraiment, bah, qui va vous renforcer une belle amertume là, dans votre gâteau. Moi, c'est du 70 là, que j'ai. Alors, 75 g de sucre. Hein. C'est 50 g d'huile de coco ou 100 g de beurre. Ouais. C'est exactement ça. Voilà. J'en ai mis un petit peu trop parce que je suis très concentré. Là. Ensuite, je prends un fouet. Alors, si vous le faites à la main, hein, si vous êtes un petit peu courageux. Parce que contrairement aux idées reçues, les jaunes d'œufs, ça monte aussi bien que les blancs. Hein. Et des jaunes mélangés avec les blancs, ça monte aussi bien que des blancs. Hein. Vous allez voir. On va faire monter ça. Alors, vous allez à fond. Je ne sais pas si on peut trouver la lumière, la cuisine dans tous les sens. Vous allez à fond, 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 fond. Donc, vous allez bien monter, hein. Les 100 g de chocolat, 50 g d'huile de coco qui sont à fondre là derrière moi.
C'est affreux avec 75 grammes de sucre. Là, pendant ce temps, je vais mixer mes 55 grammes d'amandes. Avec le blender. Il n'y a que le thermomix avec ce que vous voulez. Je ne sais pas ce qu'il y a. Hein. Je ne te vois pas. Grammes d'amande. On a un petit peu plus, ça peut en manger. Ah. Alors là, bah, vous mettez votre blender, ce pulse, sur le truc qui sert à faire de la glace pilée. Là, si vous voyez là comme les deux montent. Regardez, là, je vais les arrêter brièvement. Et puis, vous allez voir que ça monte, qu'ils sont durs. Vous voyez? Même principe que la hollandaise. Pareil. Là, vous laissez bien, bien monter. C'est ce qui va nous incorporer de l'air dans notre gâteau. Et qui fait qu'on a vraiment un gâteau sans gluten, sans lactose et sans levure. Vraiment pour les gens qui ont un petit peu des petits problèmes à leur intestin. Mais on devrait tous, hein. Il faut mettre comme ça. Ouais. Là, j'ai préparé ma farine. Je ne vais pas m'embêter. Hein. Je vais la mettre avec mes amandes. Donc là, j'ai de la farine de riz. Donc c'est 30 grammes. Hein. C'est vraiment très, très peu. J'ai une question. Ouais. De la part de Fabienne qui demande fécule ou farine de maïs. Ça, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Voilà, je l'ai testé là, cette recette avec du sarrasin, avec du maïs, avec de la fécule de pomme de terre, avec du riz, avec tout, ça marche. Alors, le seul truc, là, vous avez remarqué, là, c'est qu'il y a des œufs hein, dedans. Hein. Donc c'est pas un truc végan. Hein. Ouais. Alors là, je vais arrêter. Alors attends, je vais faire un petit zoom. On va s'arrêter. Parce que là, je vais vous montrer. Et là, bah, vous voyez que c'est super monté. Ouais, voilà. Là. Super. Oh, ouais. Elle est très aérée, on dirait. Ouais. Ça a triplé. Voire plus même. Donc là, vous prenez une maryse. Vous savez ce que c'est une maryse? Une maryse, c'est ça. Mais avec une cuillère en bois, hein, si vous n'en avez pas.
avec une cuillère en bois, ça marche très très bien. Donc là, tu peux répéter ce que tu as mis là dans ton... Donc là-dedans, j'ai mes 55 grammes d'amandes que j'ai broyées moi-même, mais après, là, vous pouvez le faire avec de l'amande poudre. Hein. Moi, c'est simplement que nous, on a des belles amandes, on a des belles amandes siciliennes et que voilà, bah, qu'elles sont, elles sont entières. Hein. Que tu as mélangé. Et que j'ai mélangé avec ma farine de riz. Voilà. Donc, c'est important, vous mettez ça en premier dans les œufs. Et là, vous allez mélanger tout doucement, regardez. Vous allez mélanger tout doucement comme ça. Alors, j'ai fait des essais aussi avec de la pistache, ça marche très bien. Vous pouvez très bien imaginer de mettre d'autres graines, mettez ce que vous voulez. C'est très bon à la pistache. Ouais, 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 ça marche bien aussi. Donc, voilà. Vous voyez, je prends dessous, hop, je remonte. Et si je veux bien faire mon geste, je tourne le bol en même temps. Comme pour travailler la mousse au chocolat. Voilà, exactement pareil. Parce que si vous mélangez avec un fouet, vous allez enlever l'air que vous vous êtes embêté à mettre dedans. Donc là, je suis en train de prendre mon chocolat. Je prends mon chocolat. Je vais verser tout mon chocolat. Attention qu'il ne soit pas trop chaud. Et puis la maryse, bah, c'est bien pratique, vous voyez, parce qu'on peut racler. Nous, dans les cuisines, on fait toujours la chasse au gaspillage. Oh, miam. Enfin, moi, dans ma cuisine. Après, ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. C'est beau. Les seuls qui râlent, là, c'est ceux qui ont l'habitude de lécher le pot. Voilà. Hein ? Et là, même opération, vous allez remélanger, hein, comme ça. Mélanger toute votre préparation. Mmh. Voilà. Alors, ce gâteau, il est super intéressant parce qu'il est quand même bien riche. Moi, je sais que le matin, juste un petit bout, là, ça me nourrit jusqu'à midi. Hein. Mmh. Alors, je fais un petit coucou à mon ami Gilles Lartigot parce qu'il fait de la cuisine hein, aussi. Il fait des gâteaux comme ça. Et on lui fait coucou. Je sais que Valérie, sa femme, bah, qui est abonnée hein, aussi, qui est contributrice, elle va regarder cette recette. Et j'espère qu'elle va lui montrer cette recette. Mmh, il va se régaler. Allez faire un petit tour aussi sur sa page. C'est le Eat Club, ça s'appelle. Ouais. Le Eat Club, voilà. C'est de belles émissions. Ouais, ouais. C'est des belles émissions. Bah, d'ailleurs, c'est grâce à eux, hein, si on est là, avec vous. Sur Patreon, parce que c'est quand même Gilles qui m'a encouragé à faire ça et qui m'a donné Gilles et puis Gilda aussi. Oui, ouais. Et puis Gilda aussi. Donc là, alors, moi, du lactose, il ne m'en faut pas. Donc, au lieu de mettre du beurre dans mon... au lieu de mettre du beurre, je prends un petit peu d'huile de coco, là, comme ça. Oui, là, je parle mal parce que je suis en train de manger des amandes. Ah, il y a le chat qui dit « C'est moi le lèche-pot. » Trois petits points avec le doigt. Voilà. On nous a rien expliqué tout à l'heure. Et là, vous beurrez bien votre moule. Bon, avec de l'huile de coco. Hein. Mais le terme, bah, c'est quand même beurré. Voilà. Donc, j'ai fait préchauffer mon four tout à l'heure à 4 degrés. Oui, vachement. J'ai fait préchauffer mon four sur 5. Donc 5 fois 3, 15, 150 degrés. Hop, regardez. Waouh. On met toute notre préparation dedans. Attends, alors là, j'ai fait un petit zoom. Voilà. Et ça, je vous assure, ça c'est un gâteau qui tue. Ça, c'est vraiment Je confirme. Ça, c'est une recette de la mort, ça. De la muerte. Allez. À la chasse aux doigts. Une petite dédicace à notre ami Patrick Juvet pour ce gâteau de la mort. Et là maintenant. Chouchou, arrête de manger, on t'entend pas. Je vais le mettre dans le four. Oui, ben, ne me mettez jamais des amandes sous le nez parce que j'en bouffe sans arrêt. Voilà. Donc four à peu près 150 minutes. Alors après, moi, vos fours, je ne les connais pas.
Donc essayez de faire avec ce que vous avez l'habitude de faire. Il faut vraiment commencer un four très chaud et le baisser au fur et à mesure ou pas spécialement ? Non, non, il faut qu'il soit juste à la bonne température du départ. Ce qu'il faut pas, ce qu'il faut éviter quand vous mettez un gâteau dans le four, c'est qu'il y ait une remontée. Parce que quand il y a une remontée, si c'est des résistances électriques, elles vont se mettre en marche, donc elles vont rougir. Et c'est à ce moment-là que ça brûle. Donc, il faut absolument que votre four soit bien en température. Si vous avez du gaz, c'est la même chose. Si le gaz se remet en marche, ça réchauffe fort. Donc, faites très, très attention, surtout avec la voûte. On te voit là. Ah, surtout avec la voûte. Avec la sole, c'est moins important, mais avec la voûte, faites gaffe parce qu'alors là, ça peut brûler très, très vite. Et les gâteaux, ça brûle vite. Ça, c'est un gâteau qui cuit vite. Hein. 25 minutes à 30 minutes, c'est hop, c'est cuit. Hein. Voilà. Alors, on va faire nos petites bulles. Ah oui. Montrer. Bon. Alors, pour ça, on va sortir nos petits ustensiles magiques. Alors ça, j'espère qu'il y en a pas un qui me l'a piqué parce que ça me met de mauvaise humeur. Voilà. On travaille plus, amour, donc il est forcément là. La grand-mère. La petite roulette en buis. La petite roulette en buis. Après, vous avez le droit de vous amuser avec les enfants, faire des petites formes, mais bon, ça vous savez déjà. De toute façon, et puis tous ceux qui sont là, ils n'ont plus de gosses qui sont petits. Hein ? Non, mais il y a des papy-mamies peut-être. Oh, il y a des papy-mamies, on fait la cuisine des vieux. Hein ? On fait la cuisine des vieux, la première chose. Alors, je vais prendre ma pâte. Allez, je mange tellement d'amour que je mets tout. Alors, là, vous allez voir, elle a légèrement levé. Voilà. Bon, il vaut mieux la laisser un petit peu plus longtemps. Là, je vais me la diviser. Non, c'est pas le Covid, hein, c'est que je suis en train de m'étrangler. Bon, après, de toute façon, moi, que j'ai le Covid, vous en foutez, hein, donc vous n'êtes pas avec moi. Donc, c'est toujours le même principe. Hein. On va mettre de la farine sur notre plan de travail. Voilà, un petit peu de farine, tac. On va prendre notre petit rouleau à pâtisserie. La balayette pour nettoyer par terre, hein, comme d'hab. Et là, vous êtes allé. Non, ça va bien, ça va super bien, c'est super facile à faire. Alors, l'épaisseur, ça dépend de vous. Hein. Alors, si vous voulez faire des oreillettes, vous chopez là votre pâte et puis vous tirez dessus tout doucement, hein, tout doucement. Et puis, vous l'affinez jusqu'à ce qu'elle soit bien translucide, qu'on puisse voir à travers. Oreillette, c'est vraiment une spécialité de Lyon. Hein. Ah ben, c'est quoi ? J'ai oublié de faire chauffer l'huile. Oh, c'est pas vrai. Voilà, là, je te jure. Incorrigible. Voilà. Voilà, je vous mettrai une photo de mon gâteau quand il sera cuit. Parce que bon, je pense qu'on aura fini. Ici, là. Voilà, on se fait des petites bulles. Et voilà. Alors, quand on est là, on met toujours les petits coups de balayette pour enlever l'excédent de farine dessus. Tac. Voilà. Avec la petite roulette en buis, et ben c'est facile. Hein. On va faire comme ça. Après, si vous voulez faire des formes, vous pouvez faire des formes. Moi, je ne fais pas des formes. Moi, j'aime bien faire comme ça. Parce que ça me rappelle quand j'étais dans la région lyonnaise, et j'ai toujours fait comme ça. Voilà.
Alors, vous faites des petits losanges. Ensuite, vous faites un trait sur le milieu, là. Et puis, hop, vous rentrez. Parti. Oui, c'est assez subtil. Vous avez vu ? Hein ? Tiens, j'ai fait un gros plan. Regardez. Ouais. Encore une fois. Voilà. Vous voyez ? Un petit trait sur le milieu. Et hop. Alors, ça va vraiment très, très vite, hein, à faire. Hein. Pas se prendre la tête. J'avais vu avec 500 grammes, là, ce que j'ai fait. J'ai pas bien vu, a dit Lionel. Attends, je refais un zoom. Bah, tu feras le replay. Hein. Tu passes à la partie qui est là, dedans. Voilà, il n'y a absolument rien de compliqué. Hein. Voilà. Ça y est, Yo-Yo, t'as vu là? C'est ça, moi je fais tourner la manivelle de la machine à pâte aux petits enfants et ça va bien pour les bulles. Ah bah ouais, c'est ouais. Rigolo. Bah ouais, là ça marche bien aussi. Ouais. Oui, avec le petit laminoir à pâte fraîche, là ça marche carrément bien aussi. Hein. Ouais, ouais. Voilà. On taille sur le milieu et on prend. Alors vous avez vu, hein, la pâte, elle a une légère oxydation déjà. Bah ouais, mais ça, c'est les farines bio, c'est ça. Il n'y a pas de conservateur dedans. Il n'y a pas de saloperie. Donc, là, j'ai fait quoi? J'ai fait un tiers de ma pâte. Je vais avoir à peu près des bulles pour, je sais pas, pour 4. Hein. Et voilà. Alors après, là, j'ai fait chauffer l'huile. Hein. Et quand mon huile est bien chaude, ben, je vais tremper dedans. Je peux tourner, hein, là. Amour. Alors. Ah oui, d'accord, je vais voir. Ah, moi je pensais qu'il fallait que je prenne avec le. Bon. Non, tu peux. D'accord. J'ai fait un essai tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Oh, c'est magique. Top. Ouais, on est super moderne hein, maintenant. Est-ce que je peux faire un. Ouais. Là, tu peux un faire zoom tout. Là-dessus. Ouais, tu peux. Ouais, pas mal comme ouais. Ça. Hein. Donc faites chauffer votre friteuse. Moi j'ai une friteuse qui marche sur mon fourneau là, comme ça. J'ai pas de friteuse électrique. Et ensuite, bah, vous allez mettre vos petites bulles dedans. Alors je vous l'ai dit, hein, l'idéal c'est que la pâte repose un petit peu plus. Hein. Là j'ai fait un petit coup rapide quand même pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette recette. Moi, j'ai tout, amour. Tout. Ouais. Et là, vous allez voir, là, ça lève. Elle lève directement. Je vais zoomer un peu plus. Oui, tu peux. Je pense que tu peux un peu plus. Ouais. Voilà, ça cuit très très vite. Hein. Vous pouvez les retourner un peu avec une pince, moi je trouve que ça va bien. Voilà. Alors évitez de prendre l'huile qui a servi à faire les croquettes au poisson. Hein. Non mais je rigole, mais
Il y en a. Hein. Ah bah ouais. Mais moi, je l'ai vu même dans les cuisines. Hein. Voilà. Et on continue tranquillement. Et pendant ce temps, bah, tiens, tu peux peut-être expliquer à faire le sucre glace. Le sucre glace, bah, c'est tout simple. Hein. Vous prenez une bonne dose de sucre cassonade, sucre roux, oui. Hein, plutôt que de sucre blanc. Ouais, bah après, oui, c'est comme ils ont. Hein. Ouais, bon. Voilà. Et puis, vous mettez votre bonne quantité de sucre dans un blender. Voilà. Prenez votre blender. Vous mettez du sucre dedans. Hop. Parce que j'ai mes petites bulles là. Hop. Oui, un peu. Oh, écoute, moi je ne suis pas chef. Hein. Voilà, bon. Et puis on fait tourner. Et puis ensuite, bah, vous mettez votre blender sur la position de la glace pilée. Comme tout à l'heure, là, voilà. Avec les amandes. Ouais. Et si vous n'en avez pas dessus, et ben c'est très simple. Hein. Vous le mettez en marche. Vous le mettez en marche et puis bah, vous appuyez. Vous appuyez, vous relâchez. Ouais, on n'est pas des techniciens de l'audiovisuel. Hein, mais ce n'est pas notre métier. Donc, voilà. Voilà. Et puis ensuite, bah, vous faites du pulse, quoi. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Vous faites du pulse. Bah, jusqu'à ce que ça devienne blanc comme de la farine. Hein. Voilà. Mais vous n'embêtez pas à acheter du mauvais sucre glacé. Oh, non. Vous faites comme ça, là, ça marche super. Et voilà, on a une petite bulle. Bon, des fois, il faut 2-3 passages. Donc là, on a nos petites bulles qui sont finies. On va pouvoir mettre le sucre glace. Elles sont même trop là. Ouais. J'ai trop attendu. Elles sont un petit poil trop. Bah oui. Ouais. Alors, une passette. Une petite passette ou à thé ou. Ah oui, la petite passette. Voilà. Attends. Et puis vous mettez votre sucre glace dans la passette. Vous saupoudrez un peu et voilà. Hop. Il n'y a pas besoin d'acheter de sucre glace. Hein. C'est vachement meilleur comme ça. En plus, ça croustille un petit peu. Ouais. Voilà. C'est super agréable. Et voilà. C'est beau. Je vais peut-être juste vous montrer juste un petit coup mon gâteau. Je vais voir s'il y a des questions. Ah, alors. Tiens, regardez là comme il a bien levé. Ouf. Attends. Non, non, bouge pas, c'est moi qui vais bouger. Ouais. Voilà. Ouais. Donc là, bah, je le remets parce qu'il est un peu juste. Est-ce que vous avez des choses à me demander avant que nous arrivions à la conclusion de ce magnifique live sur les pâtes en folie? Quelle est la marque de ton fourneau, demande John. Non,
Pascal, pardon. C'est un Rosinox. Rosinox, c'est la marque professionnelle de rose de rosière. Ah, pardon, c'est là. Et puis John qui dit c'est 4 heures. Alors, il répond à quoi, John? C'est 4 heures. 4 heures de quoi? Ben, c'est 4 heures. C'est les 4 heures. Il est 4 heures. Il est 4 heures. Attends, moi, je connais tous mes classiques. On va manger sucré ce soir. Nous avons faim comme des baleines. Oh oui, donne-nous tes bulles. Bon, il y a ta mère qui vient d'arriver. Ah! Il y a ma mère qui arrive à la fin. Et ma mère qui dit le disque est rayé. Moi, je n'ai pas compris. Maman, si tu pouvais préciser. Oh. Et ben voilà. Alors, attends. Paf. C'est les enfants qui vont être contents. Non, ça ne va pas du tout. Je trouve que tu l'as placé trop haut, ta caméra. Merci. Ouais, mais après, c'est trop bas. On ne peut pas voir quand je travaille. Ah oui, d'accord. Vous allez tout savoir sur notre vie de comment mettre en place la caméra, n'est-ce pas? Voilà, les petites bugnes. Ouais. Bah, le gâteau, malheureusement, il va falloir qu'il cuise encore un petit peu. Je regarde s'il est... Ouais. C'est un petit peu juste. Alors... Ouais, je vous ai dit entre 20 minutes et une demi-heure de cuisson sur le gâteau. Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. J'ai mis un beans dans ma cuisine, je ne vous dis pas. Ça va être super, je vais avoir le temps de nettoyer tout ça. Eh bien, si vous n'avez plus rien à demander... Non, c'est ma mère qui dit le bruit du blender, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ah bah oui. Il y a un sacré décalage alors. Ouais. Ouais, parce que ça fait un moment qu'on a arrêté le bender là. Hein. Bon, eh ben écoutez, on vous donne rendez-vous vendredi pour notre petit live super sympa avec Yann Bézeux, spécialiste des truffes, et Mathilde Bertinelli qui nous parlera d'homéopathie et de chevaux, d'élevage de chevaux et de trucs naturels super intéressants. Voilà, donc vendredi 18h. Bon, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi vos petits coms, vos petites demandes sur ce que vous avez envie de faire. Je ne sais même plus ce qu'ils ont demandé. Brioche. Ah oui, brioche. J'ai entendu brioche et puis autre chose aussi. Faudra que je regarde. Il y a lui qui se met en colère. Brioche et puis il faudra que je regarde dans les commentaires. Ouais. Ben, je vais regarder les commentaires. Voilà. Bon. Eh ben, on vous fait des gros bisous à tous. Et puis, on vous dit à vendredi. Oui, merci. Allez, merci les amis. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Bonne bugne, bonne tarte, bonne crêpe, bonne chandeleur.